Ok, Yuval, je suis un peu fatigué, il est un peu tard, parce qu'on bosse avec Nico qui nous fait travailler alors que l'esclavage a été aboli, mais bon, ça fait rien, on est obligé d'y aller. Et aujourd'hui, bah, quand tu rentres à la maison, bah, il te ramène aussi du travail à la maison, puisque je ne suis pas tout seul, j'ai mes devoirs qui sont ici, regardez bien. Vous voyez? Jojo, Roussem, Oussem, Big Boy. Big Boy, on sait pas Ici. qui, et Dollar. D'accord, c'est parti. Bon, on a Trixie qui lui. Oui! 1000%! Trixette, tout ce que vous voulez. Bon, Trixie qui prépare son 1000% contre 1 milliard, c'est encore une autre histoire. Bah, première question, c'est quand, depuis combien de temps vous dansez pour la plupart? Un an, presque un an. Un an? Mais pour moi, Big Boy, c'est un an. Voilà, le temps c'est en même temps. Presque un an. Ok, ouais. Est-ce que le Vertipaï qui vous a influencé en Tunisie? Oui, bien sûr. Vite, allez, essayez d'extrapoler le truc, hein. Parce qu'ici, il y a des oui et des non, des hématopées. Mais ça nous a motivés. Hmm? Verti. C'est un bon nous mouvement. A motivés. C'est une nous chose. A donné envie de danser. Et bien sûr, il faut, je ne sais pas comment, mais il nous a envie de danser et évoluer. Suivant, suivant. Vas-y, non, non, mais Dollar essaye de s'exprimer en français comme il peut. Vas-y, comme il peut, vas-y. Bon, je suis pas français, mais je suis Big Boy, c'est le frère de Dollar, pour information, quand même. Je suis tunisien et je suis pour le mouvement électro. Je voudrais préserver. C'est franchement un truc extraordinaire. Et le mouvement Vertified, ça se dit mouvement Vertified, c'est ça? Le Vertified. Vertified, c'est. Qui fait partie du mouvement électro. Qui fait partie du mouvement électro. Nous touche énormément. Chaque danseur tunisien parle tout le temps du Vertified. Et voilà, on espère que ça continue pour un bon moment. Un bon moment. Ouais, ça. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes un des rares pays qui avait la chance d'avoir un événement mensuel pour vous faire évoluer? Ah oui, oui. Ah oui, on est hyper fiers. Ouais, avant, je regardais ça sur YouTube. Je disais Vertified, la chance qu'ils ont, les Français. Mais voilà, c'est venu en Tunisie. C'est une nouvelle chose et puis on est content. Hein. C'est un plaisir. Ça nous aide. C'est un beau plaisir. Ouais. Ça nous aide à avancer. Ça, alliance, ça, classe, alliance. La preuve, il y a de plus en plus de danseurs. Il y a de plus en plus. Ouais. Au premier Vertified, il y avait 20. Là, il y a des 90. Puis c'est bon. 100. Hein. 100. Ouais. Même en France, on n'a pas ça. Voilà, ouais. C'est bon. Et moi, je voudrais savoir comment vous conciliez, comment vous arrivez à concilier, parce que pour info, c'est des sportifs de haut niveau, voilà, ils font de la natation, et j'aimerais savoir, enfin, de la natation à haut niveau, puisque ils font les. Ils ont les... Pour information, Jojo a eu sa médaille d'or aujourd'hui, champion de Tunisie. Hein. Deuxième aussi. Deuxième, bon. Vice-champion de Tunisie. Rouge-tote. Il y a juste un truc, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est qu'ils sont tous premier ou deuxième. On a assisté aux compétitions en Tunisie et j'aimerais savoir comment vous arrivez à concilier la danse et votre sport à haut niveau, puisque vos journées à vous, c'est quoi? C'est le matin, entraînement, piscine, tout ça? Ouais, voilà. Donc c'est un vrai boulot. On s'entraîne 4 heures par jour en natation. Mm-hmm. Bah, c'est ce qui nous diffère des autres parce qu'on n'a pas assez de temps pour danser. On essaie quand même. Mais on rentre fatigué. C'est sûr. On est fatigué. Non, puisqu'on adore trop la danse, on veut dire l'électro. On trouve le temps. On trouve le temps. 10 minutes par là, 3 minutes par là, 5 minutes par là, 1 heure, 2 heures. Mais pas voilà. Et du samedi après-midi. Mais ça nous aide, des sportifs. Mais ça nous relâche en fait de danser, ouais, ça nous relâche. Ouais, c'est votre exutoire. Le sport, c'est le travail à haut niveau. C'est stressant. Et la danse, c'est à votre liberté. Ouais, voilà. Ouais, voilà, exactement. Et quel regard vous portez sur ce que vous voyez Netrixi, relou. Bref, hey, quel regard vous portez sur ce que vous voyez sur la France quand vous voyez des vidéos avec des grands danseurs est-ce que vous avez l'impression que le Vertified, pour vous, ça ressemble à quoi le Vertified en France? Peut-être que vous faites une idée, un truc, je ne sais pas. Bon. C'est quoi votre vision? C'est un gros événement, franchement, ouais. C'est un truc de ouf, quoi. C'est pas le niveau continuisé, mais quand ouais, même. On aimerait bien mais que ce soit pareil parce que ici on manque de, comment dire, d'ambiance, on n'a pas la même... Ouais, comme l'Arca, l'Alliance. Ouais, voilà, mais ouais. Je sais pas comment ça chauffe. Tu as des actions? Quoi? Tu as des actions chez eux? C'est de la pub, ouais. C'est normal, hein?
Je comprends. On aimerait bien avoir l'ambiance Vertifact en France, comme en France. On aimerait bien avoir le soutien, comme en France. Vous l'avez le soutien, comme en France, vous avez Nico. Ouais. Elle tourne pas la caméra. Attends. Ah, donc le truc, vous l'avez. Après, vous n'avez pas les grands noms que vous nous. Oui, voilà, les grands noms. Ouais. Non, il vient vous voir, c'est pas pareil. Voilà, que le Verti a su développer. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui étaient au Vertify, qui, au début du Vertify, n'étaient pas du tout des grands noms de l'électro. C'était carrément même des anonymes. Pour 90%. Non, il avait déjà un nom, lui. Pour 90% des danseurs. Et vous, votre ambition à long terme, ça serait de faire quoi? Votre ambition, ça serait de faire quoi, les mecs? Bah moi, comme je disais à Nico, je veux lancer à 1000% en direct aux Marocains, la Tunisie. Ah ouais, je veux. Qui va regarder la vidéo, calme-toi. Voilà. Et si, peut-être, je gagne le Vertu en juin, comme je l'ai dit l'autre fois, je veux lancer à 1000% à Crazy. Parce que il danse trop bien. Toi, tu veux lancer à 1000% à qui? Tout sec. D'accord, il y a de la demande. Oussem, t'as quelqu'un, non? Non, personne. Et Big Boy? Non, pas encore. Tout sec ou Ramsès? Non, non, c'est Ramsès, Ramsès. Non, Ramsès, je compte. Bon, c'est Ramsès, il devait Ramsès. Et enfin, j'adore style. 1000% Big Boy, milliard. Milliard, ouais. C'est un ouf, lui. En principe, ce dollar va être milliard. En principe, c'est dollar vs milliard. Et moi, j'ai envie c'est de dollar, battre Freddy. Comme il y a eu un problème à la bourse, ça a changé. Ouais. Après, ça devient. Il y a eu le crash du milliard qui est devenu le dollar. Allez, arrête. C'est ça. Et lui, parce que depuis tout à l'heure, s'il était habillé en marron, il ferait corps avec le canapé. T'as pas le droit de parler, hein. On dirait qu'on dort. Mais lui, il s'est nommé dollar parce qu'il a un milliard. Ouais. C'est pour ça. C'est mon meilleur danseur. Qui? Milliard. C'est pour ça qu'il s'est nommé dollar. Ah, mais je me doutais, moi, que ça pouvait être que ça. En France, on a millions aussi, tu savais pas? Non, c'est... Je te jure, c'est le frère Amelia. On a de la monnaie. On a de la monnaie. On a de la zèle. On fait dinar. Ouais, on a dinar et millim. Du coup, et carrément, ils ont ramené millim. Yeah! Millim! Vous êtes prêts pour avoir un nom. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que pour vous, c'est prévu. Est-ce que c'est vous qui demandez toujours à Nico les prochains jurys? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui vous influencent tellement que vous voudriez les voir en vrai? Ouais, trop. Parrain. Jojo. Tout sec. Le voir. C'est tout sec, je veux le voir. Ouais. Moi, c'est Ramsès. Tout sec ou Spock? Ouais, Spock, il arrive. Spock, il arrive dans 10 jours, donc... Ouais. Ouais, toi, hein. Mimi 12. Bon, attends, et lui, le pauvre, il existe. Spock. Ouais. Bon, on commence. Braddock. Crazy. L'Alliance. Ben, l'Alliance. Lean. T'as la date, toi? Ouais, ouais. Fridou. Il a la date. Sony, Samy. Bah, Electro Famous. Sony vient dans 15 jours. Ouais, t'inquiète. Mais je rêve avec lui. Qui d'autre? Trix. Non. Ouais, ouais. Trix ou Cerise? Cerise. Mais bon, Cerise. Elle n'a pas de passeport, Cerise. Bon. C'est la même. D'ailleurs, passe un message à Cerise, fais ton passeport. Fais ton passeport, s'il te plaît. On a besoin de toi. Encore? Et Ramsès aussi. Ramsès, il va venir. Mm-hmm. Bah, j'espère. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu venir. C'est pas une petite rien. Il allait venir, non? Ramsès? Ouais. Il va venir, là, il m'a dit, mais on n'a pas fixé la date encore. Une question. Est-ce que votre rêve, ça serait quoi? Si vous avez un rêve dans l'électro, ça serait quoi? Premier. Un vrai rêve, quelque chose pour vous, pas que... Bon, c'est impossible, mais bon, mais je veux la Tunisie, quoi. Lance à 1000% à la France. Pourquoi c'est impossible? C'est eux qui ont inventé l'électro. Comment? C'est eux qui ont inventé l'électro. Oui, mais pourquoi tu... Pourquoi? Les oui, mais pourquoi j'ai envie, mais bon, c'est un peu difficile, mais... Pourquoi c'est difficile?